Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Lyon et nous allons découvrir le bar à vin, le Clovis de la maison Clovis. Bonjour Fabrice. Bonjour Clovis. Bienvenue au Clovis. Écoute, ça me fait plaisir d'être là. Moi aussi. C'est gentil, c'est une belle ambiance, disons, c'est super, non? Merci. C'est magnifique. Donc explique-moi un peu, t'as ouvert quand? J'ai ouvert en décembre 2014. C'est un endroit que j'avais envie de créer depuis longtemps. C'est un échappatoire pour moi, d'abord. Je voulais créer pour partager les bons moments, les bonnes bouteilles avec les copains, les vignerons, avec une cuisine improvisée. Tous les jours, on va au marché. On travaille avec les saisons. Il n'y a pas de plat fixe. On est toujours à la recherche des nouvelles idées. C'est ça qui nous passionne. Comment ça fonctionne au niveau de ton offre? Est-ce que tu fais du vin au verre? On fait énormément de vin au verre. Il y a en permanence une vingtaine de bouteilles qui sont ouvertes. Donc quand on rentre dans ton établissement, effectivement, on voit cet écrin de bouteilles qui est le Wine Bar 2. Et je trouve qu'effectivement, ça donne une vraie théâtralisation du vin et une vraie belle mise en avant. Tu ne tentes plus qu'avec ta cuisine, tu tentes aussi avec le vin que tu proposes. Exactement. C'est vendeur. Les gens, ils aiment bien regarder ce qu'il y a dedans. Et c'est vrai que pour la présentation, pour aller avec une bouteille qui a la bonne température à table, la présenter et faire goûter, ça aussi, c'est un avantage. Ouais, on reprend vraiment le geste du sommelier. On garde cet esprit aussi de convivialité, de complicité avec le client où on lui présente le vin, la bouteille. Et je pense que c'est un atout supplémentaire, effectivement, dans la démarche qu'on peut avoir au niveau de la vente de vin ouvert. Et moi, ce que j'ai aimé le plus, tu sais, c'est le côté pratique. Ouais, vraiment, c'est super simple. Tu prends directement la bouteille, voilà, tu vas présenter au client. Ça, c'est une côte rôtie de chez mon copain Stéphane Augier. Elle est à la bonne température et après, pour la remettre, en fait, il n'y a rien de plus simple. On la remet à sa place. On a ici deux boutons, c'est les couleurs en fait. Le rouge, c'est pour la bouteille de rouge et le blanc, c'est pour le blanc. Le côté pratique de cette machine, c'est qu'on peut changer. On peut transformer ça en blanc, en rouge et vice-versa, les deux. Les bouteilles qui sont à la bonne température, les bouteilles ne sont pas éventées. Voilà, on peut les garder 10 jours, une semaine, 10 jours. Et en fait, l'avantage du wine bar, c'est que ça nous permet d'ouvrir des bouteilles qui dépassent le 100 euros. Ça te permet en fait de pouvoir proposer au verre des vins de... Non pas d'une qualité supérieure, mais d'un cru supérieur. Oui, pour pouvoir, les premiers crus, les grands crus. On réfléchissait avant un peu pour pouvoir les ouvrir. Maintenant, on a plus la facilité. Oui. Moi, je suis équipé depuis quelques temps maintenant avec son grand frère, hein, tu sais, le Wine Bar 8. Effectivement, tu vois rapidement une accentuation de ton chiffre d'affaires importante. Ça, c'est important de le dire. C'est parce que effectivement. Pour les gens qui ont toujours un petit peu peur, le vin au verre, c'est toujours quelque chose qui fait peur. Ouais. Nous, on sait qu'on peut s'éclater à vendre du vin au verre et à faire des choses extraordinaires avec. Quoi. Merci Fabrice, ta visite, ça m'a fait super plaisir de t'accueillir. Merci de ton accueil et puis écoute, au plaisir de se rencontrer autour d'une belle bouteille. J'espère. À très bientôt. Merci beaucoup. Bye.